J'aime communiquer avec les gens. J'ai toujours eu de l'aisance à parler avec les gens, je ne sais pas pourquoi, mais sur scène. Dans la vie de tous les jours, moi je suis très timide, je rase les murs et je suis très dans mon coin, je sors pas de chez moi, voilà. Mais sur scène, j'explose, je parle avec les gens, je communique. Je trouve qu'au moins sur scène, c'est un moment où, en tout cas les lives, quoi, où il n'y a plus de genre, il n'y a plus de classe sociale, on est juste tous là pour une chose. Et j'aime ça. J'ai retrouvé cette sensation une fois quand j'étais au Brésil, j'étais dans une école de samba. Et j'ai retrouvé exactement cette sensation, où il y avait des gens de toute caste, de tout âge, tous qui vibraient sur le même son et qui écoutaient un griot, quoi. Donc voilà, je me considère comme un griot. Parler japonais, même un tout petit peu, c'est pour le voyage au Japon ou bien ça vient d'ailleurs? Ça, c'est venu au Japon, là, Ouais. surtout. Mais ça vient aussi d'un amour pour le Japon, surtout, je pense, quoi. Moi, je ne parlais pas japonais avant d'arriver au Japon, hein. Je connaissais que arigato, voilà, c'est Oui, tout. mais en Et quatre jours, le sayonara. vocabulaire a drôlement augmenté alors, hein? Exactement, oui, mais c'est que j'aime vraiment le Japon. Depuis tout petit, je rêve de venir ici. J'ai été élevé avec des dessins animés japonais, donc quelque part, j'ai dû ingurgiter leur culture, peut-être, leur manière de penser, leur manière de réfléchir. Et elle m'a toujours plu, cette manière, en fait. Je me suis toujours retrouvé, en fait. Une sorte de code d'honneur. Voilà, et j'aimais ça, même quand j'étais dans ma cité, j'aimais cette sorte d'honneur et de discipline, quoi. Même si t'es un voyou, t'as un certain honneur, un certain code. Mais quand même, en 4 jours, là, j'en reviens pas, parce que sur scène, c'est comme à gauche, à droite, Yeah, oui. Migini, On n'a pas Idarini, Kawaii. Mina, Déjà Sakebe, Kawaii, Tout ça en 3 jours, alors. Ouais, bah j'ai eu de l'aide, hein, bien sûr, hein, je demande, j'ai des apps, enfin je cherche quoi. Mais voilà, j'aime ça, c'est parce que j'ai vraiment un tel besoin de communiquer avec les gens, je sais pas, ça rentre. Je pourrais pas vous expliquer comment ça marche dans ma tête, mais ça rentre. Et puis je pense, c'est surtout que vraiment, j'aime le Japon. Donc je fais l'effort, mais sans problème.